ma mesamana bavase boulan salva. Nous accueillons maintenant les élèves de la classe 5 qui vont présenter une pièce de théâtre qui s'intitule « Une après-midi, vous m'appelez ça ». Salam alaikum. Alaykoum salam. Comme vous le savez tous, nous avons célébré hier la naissance de notre 12e imam. Alors cet après-midi, nous avons décidé avec les professeurs que nous avons... Tous les cours et thèmes abordés et discussions seront tous au sujet de notre 12e imam, Imam Mehdi Shaibou Zaman al-Salam. Nous allons aussi en profiter pour faire des rappels sur des leçons que vous avez déjà étudiées. Tous vos professeurs feront des révisions sur les sujets, sur ce sujet justement. Bon, je vous laisse, Koudafiz. Je vous laisse avec votre professeur. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Bien les enfants, en Aklak, nous avons offert des rappels sur le comportement que nous devons adopter durant la période de Ghaibet, c'est-à-dire d'occultation de notre imam. Nous allons voir comment nous pouvons prouver à notre imam que nous l'attendons. Alors, je vous écoute. Qui veut bien commencer? Oui, c'est Gal. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé nos imams pour nous guider et nous montrer le bon chemin. Étant donné que notre imam du temps, Imam Muhammad Mehdi alayhi salam, est l'imam de notre époque, c'est lui que nous devons prendre comme modèle. Et comment cela est-il possible? Ben, pour cela, nous devons bien le connaître. Nous ne pouvons pas nous instruire sur quelqu'un sans le connaître. C'est pourquoi nous devons bien étudier ses caractéristiques, comment il est et tout ça. Très bien. Notre prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quiconque meurt sans avoir connu l'imam de son temps, mourra en jahiliyat, c'est-à-dire indignement. Reconnaître que c'est suffisant ?
notre imam tout le temps. Nous devons prendre conscience qu'il est auprès de nous, cela nous rapprochera de lui. Nous ferons ainsi plus de bonnes actions et moins de mauvaises actions. Et il y a autre chose ? Nous devons penser à notre imam durant nos prières et invocations. Nous pouvons, pour précipiter sa venue, réciter le doua et faraj, ou encore, pour répéter notre allégeance, faire le doua et ahad. Je vous félicite pour ces idées. Effectivement, celui qui fera ses doigts ne faiblira pas dans sa foi. Nous devons demander à Allah de nous faire connaître notre imam. Son aide est indispensable. Mais vous avez oublié l'essentiel. C'est que nous nous faire quotidiennement. Ah oui, nous devons nous imprégner des actes de la veille, travailler notre foi, notre humilité, notre patience et notre générosité. C'est vraiment très bien. Mais notre demi-heure est passée très vite, comme d'habitude. Il y avait pourtant tellement à ajouter, mais Inch'Allah, nous en parlerons encore. À la semaine prochaine, Khouda Hafiz. Les recommandations d'un mardi. Très bien. Tout le monde se souvient ce qu'est un mardi? Ryan, peux-tu nous le rappeler? Oui, c'est une personne experte en loi islamique. Il étudie le Coran et les hadiths et fixe les lois après. Et nous sommes obligés de suivre les règles qu'il a décidées. Effectivement, le taqlid constitue la base de tous les actes d'adoration. Le taqlid est obligatoire et sans le taqlid, tous les actes sont vains. Ensuite, après ça, moi, je sais. Nous devons faire le amr bil ma'ruf et le nahy al munkar. C'est-à-dire? Nous devons ordonner le bien, interdire le mal, orienter les gens vers notre imam, le faire connaître. Effectivement, chaque personne, selon ses capacités et ses connaissances, doit appeler les gens sur la bonne voie. C'est une façon de prouver à notre imam que nous sommes avec lui et que nous nous préparons à sa venue. Ensuite, quelqu'un voudrait... Chan, n'as-tu pas une petite idée? Si, je pensais au Koums. Oui, le Koums. Explique-nous comment cela est lié avec l'imam et Zemara. La moitié de l'argent du Koums revient à notre imam Victor. Et pendant que l'imputation, elle revient à son représentant. Celui-ci utilisera cet argent pour l'expansion et la protection de l'islam et pour créer des madrissa et des mosquées. Je suis très contente de toutes vos interventions. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, moi je pense à quelque chose. Moi je pense au djihad. J'ai entendu dans un matadis que le djihad, ce n'est pas seulement de se battre. Pendant le gaybot, nous pouvons faire djihad, par exemple en faisant des études qui pourraient servir notre imam. Ou encore écrire des livres pour protéger, ou mieux, expliquer notre religion. Très bon travail les enfants. Effectivement, le djihad, à travers la parole, est un très grand sujet de discussion. En tout cas, vous avez bien assimilé vos leçons. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, car ça va bientôt sonner. Et bien voilà, Khouda Hafiz les enfants, à la semaine prochaine. C'est maintenant la récréation. Ce n'est pas aussi calme le samedi, hein. Aujourd'hui, je vais jouer à la foot avec vous. Si, moi aussi, je suis un être humain. Je dois de m'amuser quand même. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le cours que nous avons fini aujourd'hui est complètement en harmonie avec le vélodette de cette semaine. Bien évidemment, nous allons voir la biographie de notre deuxième imam, mais avant tout, passons à quelques révisions.
Alors, sa date de naissance. Yannick. Le 15 Chaban à Samaja en Irak. C'est bien. Et qui pourrait me citer son père? Imam Hassan Asghari alayhi salam. Et sa mère? Bibi Najis Khatoun, une princesse romaine. C'est bien d'avoir entendu que c'était une princesse romaine, mais comment est-elle arrivée en Irak alors? Elle avait vu Bibi Fatima Zahra alayhi salam en rêve et elle s'est convertie à l'islam. Puis, sous les instructions de notre 10e imam, elle a rejoint l'armée de son grand-père, toujours en rêve. Son grand-père perdit une bataille face aux musulmans et elle s'est faite prisonnière. Alors, le 10e imam envoya quelqu'un pour la libérer contre une certaine somme d'argent. Il l'accueilla ensuite chez lui et la maria à son fils, notre 11e imam. C'est bien, tu as retenu ta leçon. Maintenant, la traduction, Hasnain. La vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Ce verset signifie qu'un jour, le mal, l'erreur disparaîtra. Et ce jour qui n'est pas encore arrivé, n'est possible qu'avec l'arrivée d'un sauveur. Et ce sauveur est l'imam Mahdi. Maintenant, c'est la deuxième récréation. Je vous l'assure, elle est deux fois plus courte en réalité, tous les samedis. Salam alaikum. Anna, pourquoi vous buvez du tsaï? J'aurais mieux de boire du Coca-Cola, il fait chaud. Oui, il y a une chaleur insupportable. Mais il faut se préparer à la journée que Yamal. On en a fini son intervention habituelle. La récréation va prendre fin. Que le cours de Gouzani, en réalité, il dure la moitié du temps que les autres cours. Nous finissons très bien. Très bien. Le professeur de Gouzani arrive. Salam alaikum. Salam alaikum. Enfin, cette année. Normalement, on doit travailler sur Imam et Zamana, mais comment on peut apprendre des choses sur Imam et Zamana en Gujarati? Eh bien, voyons, bien sûr que même en Gujarati, on peut travailler sur Imam et Zamana. Aujourd'hui, les 5 mois de la semaine sont en rapport avec Imam Mahdi alayhi salam. Alors? Ah, j'avais pas pensé à ça. Alors, il y a avant tout. Gaël. T'as mis comment c'est Gaël va t'aider les sons? Jo. Par exemple, Marahat a dit t'as mis des kaïtés. Annie Rabé, t'as mis Marahat n'a t'y des kata. Est-ce que t'as mis ça, Maïdia? Mais je sais, ça veut dire caché. Ah, Gaël, mais que les cachés. Avec après vidéo, mon joie, Naël. Par exemple, en classe Matija, on est au Chaina Nebolu, qui est pour des cours continuer à coller. Donc, pendant mon absence, pour tes badas, décision les isoké. Anne, donc, elle me. Ça veut dire qu'elle vous représente. Très bien, Naël, avec les représentants. Avec après Tridio, mon joie, Zahour. Pamela, ma mesamana, Gaël, tu es. અને જ્યારે અલ્લાહનો હુકમ આવશે જ્યારે અલ્લાહનો હુકમ થશે ત્યારે ઇમામે જમાના આવશે અને અને બધા માણસો એને જોઈ શકશે. હવે આપણે કાત્રિયા મો જોઈએ. વક્ત આ બહુ ફાસિલ છે. પહેલા આપણા દાદાનો વક્ત હતો અને હવે આપણો વક્ત છે અને ડોક્ટર ગુઝાના આપણા પચીસ અંફાનો વક્ત હશે. Ah, je sais, c'est facile ça. C'est le temps. Très bien. Enfin, on va voir le cinquième mot. Le chute. Le chute, il y a une mot qui dit à Dunia ma aussi, il y a une après Bada, il y a le chute, il y a un soukou, et l'islam n'a aidé le chute, il y a un.
Oui, c'est très bien. Les chers sont fiers. पर्दा पोशी जो न करता तो होती मेरी रुसवाई मत मौत गजब की देना मत नाजिल करना सख्ती मिल जाए सुकून इस दिल को हो जाए अगर तू राजी आंखों से लहू है बहता मेरे मौला राजी हो जा मेरे मौला राजी हो जा मेरे मौला राजी हो जा